Comment ça a commencé? Bah, je crois que c'est depuis notre rencontre où on s'est rencontrés justement sur les télémarques. On s'est vraiment bien rencontrés avec Seb et Aymeric. On avait la même passion. Bah, au début, on ridait avec les potes à la maison, par-ci par-là, entre Verbier et Tine. Plaisir à télémarquer ensemble. On avait la même passion, on skiait à la maison, tout allait bien au début. Oh, on ride sans prise de tête. Pour moi, le télémarque, c'est du pur bonheur, du vrai plaisir. C'est cette liberté de mouvement que tu as, ce jeu d'équilibre à chaque virage que tu répètes. Il faut trouver les ajustements d'équilibre. Bah déjà, il y a une sensation dans le mouvement, tu as un peu une danse à chaque virage, tu dois aller d'un pied sur l'autre. Bien sûr, dans la poudreuse, c'est ce qu'il y a de meilleur. Tout le monde est bon dans la poudreuse. Des terrains un peu plus gelés ou un peu plus avec un peu moins de neige, et ben c'est aussi un vrai jeu et c'est hyper intéressant techniquement d'aller chercher quelque chose qui ressemble à du télémarque dans ces conditions là aussi. Suivant les types de neige et les pentes, tu peux aller chercher un peu plus d'adrénaline et c'est pas mal aussi. Ouais, on dit bien tant que ça glisse il y a du plaisir, je crois que là, on est complètement dans cette idée-là. À un moment, on n'arrivait même plus à se satisfaire de ce qu'on avait à la maison. De fil en aiguille, on a commencé à voyager à droite, à gauche. On voulait découvrir d'autres horizons, d'autres montagnes. On a atterri dans les Dolomites. Et les Dolomites, c'est réputé pour les couloirs. On s'est fait des beaux runs avec des locaux. On est parti en Autriche, à Innsbruck. On est même allé au Japon, par exemple. On trouvait des neiges exceptionnelles. On n'avait pas l'habitude de skier chez nous aussi souvent. Et puis on a continué, on a été au berceau du télémarque, on a été en Norvège, dans le Finnmark. C'est là que ça a commencé à déraper justement. On en voulait toujours plus. On voulait toujours faire que du télémarque et toujours plus de télémarque. Et en fait, on voulait toujours aller plus vite, avoir plus de poudreuse, toujours plus. On ridait quelles que soient les conditions, la neige, le danger. Et on n'était jamais rassasiés.
on a commencé à ne plus pouvoir attendre l'hiver, très clairement. Il fallait que l'on skie du télémark toute l'année, sur n'importe quel revêtement. Peu importe le moment, le lieu, la saison, on avait besoin de télémark. Après, c'est vrai que si, oui, on ridait tout le temps, en fait. On faisait que rider. On a ridé des cailloux, du sable, des pierriers en montagne. Sur de l'herbe, sur des feuilles, et on était jusqu'à rider sur de l'eau. Et je crois qu'on s'est rendu compte au bout d'un moment que presque tout était télémarquable. Cette thérapie, ben, je crois qu'au début c'était surtout pour faire plaisir à ma femme. Enfin, pour me soigner, bien sûr. Hein. Ben, moi, on m'a demandé de... Non, faut que je retrouve un lien social avec mes proches et ma famille. Sincèrement, j'aimerais bien arrêter de me casser les côtes. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Hein. Je pense vraiment que maintenant, je suis à même de pouvoir vivre comme tout le monde. C'est-à-dire, le télémark n'a plus du tout la même place dans ma tête qu'il n'a eu un moment dans ma vie. Hein. Je pense vraiment que je suis guéri et grâce à vous, docteur, d'ailleurs, je tenais à vous remercier. Merci, docteur. Merci. Je me sens guéri. Je me suis jamais autant senti guéri. D'ailleurs, merci. Je me sens bien. Je crois que je suis guéri. Merci, docteur.